Donc voilà, la vidéo là a été coupée, donc c'est la deuxième partie de la dernière revue de lecture. On va se mettre tout de suite dans l'ambiance avec les trois premiers tomes, parce que je vais pas les faire chacun à leur tour, même si bon, il y a le dernier après. D'ailleurs non, je vais les faire tous en même temps, vous savez quoi, tant pis si c'est pas dans l'ordre que je les ai lus. Mais donc c'est les quatre premiers tomes de La Maison de la Nuit, donc je vais essayer de me souvenir des titres en français. Marqué, trahi, choisi, et celui-là je sais plus. Mais en anglais c'est Untamed, mais c'est le quatrième tome, donc allez voir si genre vous êtes arrêté au tome 3 ou un truc du genre. Que dire sur cette série, enfin ce début de série. Pour moi, les auteurs, après c'est vraiment mon avis, donc si vous adorez cette saga, il n'y a pas de souci avec moi, hein, vraiment chacun ses goûts. Mais pour moi les auteurs c'est vraiment des j'ai du mal à parler aujourd'hui. Les auteurs c'est vraiment des escrocs pour moi, parce que l'histoire a du potentiel, mais elles essayent vraiment de faire, enfin j'ai l'impression qu'elles essayent de faire des trucs complètement mais... Enfin, tiré par les cheveux juste pour être original et pour se dire bon bah voilà, maintenant j'ai fait ça, c'est différent des autres, c'est super cool tout ça. Mais bon, ça marche pas comme ça. Enfin, personnellement, l'histoire a du potentiel et je la trouve assez intéressante, cette histoire de vampire un peu magicien qui a une mythologie assez intéressante. C'est vrai que c'était pas mal. Maintenant, les personnages et surtout la personnage principale. J'ai jamais vu une fille pareille dans ma vie quoi. Comment elle s'appelle? Zoé, voilà. Mais cette fille. Mais elle est insupportable. La fille, dans le deuxième ou troisième tome, elle a trois copains en même temps. Et elle se dit, ah mais, est-ce que je deviens pas une salope? Non, sans blague, tu crois pas? Non mais, elle a aucun sens logique, mais elle est insupportable. Mais franchement, j'ai jamais vu une héroïne aussi nulle de ma vie. Franchement, c'est pas pour dire, mais voilà, c'est juste pas possible. Enfin, je suis désolée, c'est une gamine, elle est égoïste, elle est... Elle prend que des mauvaises décisions, elle est pire que Clary pour vous dire, hein, alors que donc c'est pour ma dernière update lecture, vous avez vu j'avais fini sur City of Ashes. Clary est une héroïne que j'apprécie pas forcément, mais alors elle est vraiment mais au-dessus de tout ce que j'ai pu mais voir jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, sinon bon il y a des points positifs, hein, d'autres personnages que elle me plaisent, mais il y a vraiment des problèmes, enfin c'est genre c'est pas du tout subtil. Enfin, les auteurs pour moi c'est des escrocs, parce que c'est une histoire qui a du potentiel et elles vous mettent un peu enfin elles essaient un peu de nous embobiner quoi, donc bon voilà, c'est, je lirai pas la suite. J'avais eu ces 4 tomes, c'était une box set qui était en solde sur Amazon l'année dernière, donc ma mère me l'avait offerte et donc voilà, je m'arrêterai là et voilà. Mais si vous l'avez aimé et que vous voulez continuer la saga, n'hésitez pas à me dire en MP ce qui se passe, parce que comme je ne lirai pas la suite, n'hésitez pas à venir me dire ce qui arrive. Donc ensuite j'ai lu Prodigy de Marie-Lou, donc la suite de Legend que j'avais beaucoup aimé, et encore une fois ce tome est vraiment très très bon. Voilà, pour moi c'est une dystopie qui est un peu différente des autres, dans le sens où j'ai l'impression dans les dystopies, les trilogies, tout ça, c'est souvent... Le premier tome, voilà, on nous situe un peu l'histoire, comment ça se passe, comment les gens vivent et tout ça. Et dans le deuxième tome et troisième tome, c'est toujours une rébellion pour soulever le gouvernement actuel et mettre quelque chose d'autre. Et là, le livre est tellement plus nuancé que je trouve ça beaucoup plus crédible dans un sens. Et c'est très très bien écrit, c'est très très bien imaginé, très très bien pensé. Les personnages, bah, j'adore toujours autant, surtout bah, pour une fois l'héroïne Dune, c'est vraiment une héroïne que j'adore et elle a que 15 ans et demi. Donc vraiment pour vous dire, c'est que on peut faire une héroïne vachement bien alors qu'elle peut être jeune. Et là c'est vraiment le cas, elle est intelligente, elle pense comme il faut, elle prend les bonnes décisions, elle se laisse pas influencer, tout ça. Donc c'est vraiment une héroïne que j'apprécie énormément. Day un peu moins dans celui-là parce que je l'ai trouvé un peu... un peu têtu et vraiment genre voilà, il se laissait influencer assez par les patriotes en fait. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment 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 bien aimé. La fin est comme ça, genre j'ai fait ah ouais ok. je savais pas quoi faire, j'étais là ouais mais maintenant il faut la suite quoi, parce que tu nous laisses un peu dans
Voilà, y a pas de mots quoi, donc maintenant il faut attendre un an pour la suite. Donc le dernier tome s'appellera Champion, je crois, c'est ça qui a été annoncé, donc j'ai très 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 hâte. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup. Enfin, je l'avais montré dans le IMM, mais je n'avais pas tout montré, donc les pages elles sont un peu comme ça, donc ça c'est marrant. Le livre est écrit de deux points de vue différents, donc de June et de Day. Et en fait, quand on arrive à Day en anglais, regardez, l'écriture elle est bleue. J'ai jamais vu un livre où il y avait de la couleur à l'intérieur, surtout pour les écrits. Donc voilà, j'étais assez surprise. Et c'était ça a ajouté beaucoup au roman, juste parce que bah, c'est assez original. Donc voilà, je le conseille énormément. Et à tous ceux qui le liront pour en français quand il sortira, jetez-vous dessus, vous ne serez pas déçus. J'ai ensuite lu Just One Day de Gail Forman, qui est magnifique. Voilà, c'est. Si j'ai pas eu tellement de chance avec les 4 premiers, là, les 4 tomes de La Maison de la Nuit, c'est vrai que Prodigy et Just One Day m'ont vraiment, 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 vraiment pas remonté le moral, mais voilà, ça m'a fait plaisir de lire des bons livres. Voilà, vous savez, Gail Forman, pour moi, tous ses autres livres, donc If I Stay, Where She Went et Sisters Insanity, donc c'est Si je reste, Là où j'irai et Les cœurs fêlés, pour moi, ça a été des gros coups de cœur. Et Just One Day, bah, c'est encore un coup de cœur. C'est pas. À la base, je pensais que c'était vraiment une romance simple où en fait la fille elle partait en voyage en Europe et elle rencontrait un garçon et voilà. Pour moi, ça s'arrêtait là, mais étant donné que j'adore l'écriture de Gail, je me suis dit qu'elle allait quand même réussir à faire quelque chose de super beau, super mignon. Un peu comme bon, Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Et en fait, je me suis totalement trompée sur ce livre. C'est tellement plus que ça, enfin, franchement j'ai été super agréablement surprise parce que la romance pour moi elle est vraiment au second plan dans ce roman. C'est vraiment plutôt un voyage, mais enfin, une quête de soi et un voyage pour apprendre à se connaître. Et en fait je me suis vraiment vraiment beaucoup identifiée au personnage principal qui s'appelle Allison, donc Loulou aussi, on la connaît sous deux petits surnoms. Et c'est vrai que du coup, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment touchée et pris au trip parce que j'avais vraiment l'impression de me reconnaître dans son personnage. Et du coup, ben voilà, ça m'a vraiment énormément touchée. C'était beau quoi, enfin il n'y a pas d'autre mot, c'était beau et la fin est très très belle et ça me donne envie de lire la suite. Bon évidemment, il va falloir attendre l'automne, mais c'est vraiment un beau livre et. Et je vous le conseille, en plus pour ceux qui aiment le théâtre et Shakespeare, et ben vous allez avoir des petites surprises à l'intérieur, c'est assez mignon. Enfin les personnages sont vraiment super, très intrigants pour certains, et donc voilà. Je suis vraiment très très heureuse de l'avoir lu, et je vous le conseille avec joie. Et donc comme je l'ai dit dans mon IMM, l'auteur sera le 20 février à Paris, au Hall, pour le signer, et signer des copies donc qui seront mises à disposition en avance, donc pour un jour avec toi. Et comme je le dis aussi dans mon IMM, sur mon blog, jusqu'au 19 février, je publie chaque jour des citations des deux premiers chapitres en VF. Donc si vous voulez aller voir tout ça, je vous en prie, faites-vous plaisir. J'ai ensuite lu donc Star-Crossed de Joséphine Angelini. Que dire, que dire, que dire? J'avais envie de le lire depuis longtemps parce que j'ai vraiment entendu de bonnes critiques. En plus, il est noté, je crois, 4,30 sur Goodreads ou quelque chose comme ça, ou 4,14, hein, bon. Et j'avais vraiment, vraiment envie de le lire. J'ai bien aimé, je crois que je l'ai, oui, j'ai noté 3,75 sur Goodreads. J'ai pas encore écrit la chronique à l'heure qu'il est, mais elle sera sûrement écrite pour le jour où je posterai cette vidéo. Maintenant. J'ai été un peu gênée, alors je sais pas si c'est parce que j'ai aucune culture générale et aucune culture en ce qui concerne la mythologie grecque, mais c'est vrai que j'ai été un peu confuse à certains moments. Tout s'explique vraiment mieux à partir de la seconde partie du livre, mais c'est vrai que les 100 premières pages, moi je les ai trouvées vraiment lentes et pas intéressantes en fait. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Après, ça a été mieux. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages. Donc je conseillerais maintenant, je pense que pour ceux qui connaissent vraiment bien la mythologie grecque, ça doit être vraiment plus intéressant à lire et beaucoup plus cool comme réécriture un peu du conte, pas du conte, qu'est-ce que je dis, de l'histoire d'Hélène de je sais plus quoi, de la guerre de Troie et tout ça. Mais j'ai bien aimé ce tome, je pense que ce serait très très beau adapté au cinéma aussi, mais voilà, donc du coup j'ai voulu lire la suite qui est Dreamless.
donc de Josephine Angelini. Et là, pour le coup, alors que le premier tome, j'avais vraiment, bon, à partir de la 100e page, j'avais vraiment aimé, même si je comprenais pas forcément tout avec tous ces dieux différents, même si j'avais vraiment beaucoup aimé, et ben là, je dois avouer que je suis à la page 320. Et pendant les 300, on va dire 280 premières pages, je me suis ennuyée comme pas possible. C'est-à-dire que, en gros, il se passe rien du tout, tout en se passant quelques petits trucs. En gros, c'est-à-dire que la personnage principale, donc Hélène, donc la journée, donc elle va s'entraîner, enfin voilà, elle a des petits problèmes personnels à cause de certaines choses qui arrivent dans le premier tome. Mais vraiment, il se passe rien dans la journée, quoi. C'est juste, elle essaie de comprendre certaines choses qui lui arrivent, tout ça. Et la nuit, en fait, elle va donc dans l'autre monde, donc l'enfer, en fait, pour en fait essayer de tuer les furies. Les furies, c'est celles qui en fait font en sorte que les maisons différentes des dieux. Bon, vraiment, il faut s'y connaître en grec mytho enfin, en mythologie grecque, je pense. Mais en gros, les furies essayent de faire en sorte que les quatre maisons de différents dieux s'entretuent parce qu'ils ont des dettes de sang à cause de la guerre de Troie. Le truc, c'est qu'en gros, jusqu'à la page 280, bah, toutes les nuits, elle descend donc, en enfer. Et il se passe rien. Il se passe rien. Toutes les nuits, après, elle ressort. Elle est toujours plus faible et tout ça, mais elle trouve rien. Et j'ai trouvé que c'était juste, mais c'est toujours le même. Schéma qui se répète pendant 280 pages et c'est juste, il n'y a rien qui se passe, même s'il y a quelques petits trucs qui arrivent, il n'y a vraiment rien qui se passe et je me suis ennuyée mais à mourir. Et là, depuis la 300e page, enfin depuis la 280e page, c'est un peu mieux. Maintenant, il se passe encore, enfin il y a des trucs qui se passent mais encore une fois, c'est long quoi, il y a vraiment des grands paragraphes qui pour moi servent pas à grand chose. Donc voilà, je pense que je noterais ce livre-là bien moins, enfin moins bien que Starquoise. Je pense que je lui mettrais 2,75 ou 3. Parce que même si la fin est bonne, le début est vraiment trop lent et trop inintéressant pour moi. Mais je lirai quand même le dernier tome parce que, enfin, selon ce qui va arriver à la fin, j'ai quand même envie de savoir ce qui va arriver aux deux personnages principaux, donc Lucas et Hélène. Donc voilà, c'était tout pour mon update lecture. Donc je sais pas combien de livres je vais lire cette semaine. J'essaierai d'être plus régulière pour mes vidéos, vraiment. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop été motivée. Donc on se remotive, motivé, motivé, voilà. Et moi, je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous et bonne journée et bonne semaine.